Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodia Niaye, c'est parti. Evelyne Kironde Namavutu est la dernière covogueur de Satisfaction UG. Le magazine ougandais de mode et de style de vie Satisfaction UG va sortir en ce mois de novembre 2021 avec pour thème l'actrice et reine de beauté Evelyne Kironde Namavutu. Dans son article de couverture de Satisfaction UG, Evelyne explique comment sa carrière a commencé et est devenue l'un des rôles les plus importants à ce jour. Jouer Chelsea Kintu dans la populaire série télévisée Prestige et son parcours jusqu'à présent. Dans l'édition de novembre du magazine Satisfaction UG, Evelyne a affiché une image emblématique qui ne peut être ignorée. La floraison argentée du thème et la vitalité juvénile de la superstar et la beauté unique reflètent parfaitement l'inspiration de Mavo Kampala, le styliste et directeur créatif derrière le décor et fleurs de beauté exotique, raconte. J'en ai marre de demander de l'argent de poche à mes parents. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de demander de l'argent aux parents souvent. Cette habitude peut être très ennuyeuse. L'événement est une montagne russe et une grande expérience d'apprentissage. Honnêtement, comme à chaque match, il n'y a qu'un seul gagnant. Pendant le camp d'entraînement, les jeunes femmes sont plus entraînées pour gagner le match à la fin du championnat. Après tout, ce n'est qu'une couronne, je dois tout à l'événement. Je comprends, ce travail n'est jamais facile, surtout quand il s'agit de planifier le temps. Je suis maintenant un excellent chronométreur, j'ai appris à être patiente, j'ai toujours été patiente, mais grâce à cette expérience, elle s'est relevée. J'ai appris aussi à coopérer avec les autres, je suis très introvertie, ce qui est une bonne courbe d'apprentissage pour moi. Bien sûr, vous ne pouvez pas étudier sur le même projet avec quelqu'un comme Cléopatra Kowerwi, mais vous n'avez pas beaucoup de choses. Vous êtes constamment en train d'apprendre et vous développer. Qui ne veut pas ça? Anifa, la marque congolaise, célèbre ses 10 ans lors d'un défilé inédit. La marque congolaise Anifa, dirigée par la talentueuse Anifa Mwemba, va fêter ses 10 ans. La créatrice a voulu commémorer ce moment en lançant son premier défilé de mode physique. Des centaines d'invités se sont réunis à la National Portrait Gallery pour participer à l'événement, dont de nombreux amis et fans de la marque. Avant le début du spectacle, un court-métrage est sorti pour rappeler l'expérience d'Anifa au cours de ses 10 dernières années. De son auto-apprentissage en 2011 à la création de son équipe de Washington DC à la mise en place de son défilé de mode viral. Promouvoir son label pendant la pandémie en 3D avec de plus en plus de détails et de fans célèbres, dont Beyoncé, Zendaya, Tracy Ellis Ross, ce moment numérique a renforcé la confiance et le soutien dont elle avait besoin pour faire ses débuts sur le podium officiel. Chaque apparition, chaque petit détail me rappelle que ce que nous avons fait au cours de ces 10 dernières années a confié la créatrice sur la collection qu'elle présentait avec fierté. Âme fraîche Baye d'automne se prépare pour les vacances en lançant une nouvelle collection spécialement conçue pour les vacances. Cette série présente une nouvelle étape pour les âmes fraîches Baye d'automne et son design et ses couleurs exceptionnelles reflètent la manière décontractée et charmante de s'habiller au quotidien. Les créateurs sont attirés par la coexistence du masculinité et le pouvoir enfermé chez les femmes d'aujourd'hui. Les différents tissus utilisés dans cette série sont doux, mais élégants et masculins. Chaque pièce est réalisée avec de super motifs artistiques en laine, crêpe et coton.
préféré du lancement de la collection MAC Hypnotizing Holiday à Lagos. Le week-end dernier, MAC Cosmetics a lancé la série MAC Hypnotizing Holiday et a organisé un événement exclusif dans l'espace événementiel Wings sur l'île Victoria à Lagos. Le thème de la soirée était magique. L'équipe MAC Nigeria a invité les meilleurs amoureux de la beauté, créatifs et influenceurs de l'industrie à passer une soirée fascinante, de beaux moments, des plats délicieux, de performances étrangères et de musique merveilleuse. Les invités ont découvert la dernière collection de MAC cette saison qu'ils ont décrit comme une combinaison de 5 nuances fascinantes exclusives aux vacances, mat, crème et crème toutes vêtues d'un ensemble illusion hypnotique. Et lors d'une réunion de démonstration en direct, les invités peuvent découvrir de plus près les nouvelles couleurs et textures. Sur le tapis noir du MAC, les invités sont apparus en costume complet, privilégiant le dress code couleur populaire. La liste des invités comprenait des stars comme Lisa Folawiyo, Sharen Oja, Eurubu Banke, Meshida Lawai, Ink Balagoon, Temisan Emmanuel, Timmy Young, Beverly Naya, Poede Awujo, Anife Momodou, Mary Edoro, comme Opara, Adebayo, Okelawal et bien d'autres. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodja Jai. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye.